Oui, c'est très important pour moi d'être présent ici, surtout que c'est les 30 ans du partenaire entre EDF et la Fédération française handisport. Donc déjà pour moi en tant que membre du team EDF, c'est quelque chose de représentatif et d'important. Après forcément, je pratique le ski de fond et le biathlon, donc c'est plutôt un sport d'hiver. Donc de pouvoir voir des compétitions d'été, donc en athlé, c'est quelque chose pour nous qu'on voit rarement, donc c'est chouette de pouvoir vivre ça en direct. C'est vrai qu'après les Jeux, j'ai pris pas mal de temps un peu à me reposer, à profiter de ma famille aussi et des gens qui m'entourent, de mes partenaires aussi. Un petit peu de vacances, hein, ça fait toujours du bien. Maintenant, bah, je repars pour 4 ans jusqu'en 2026 pour les Jeux de Milan-Cortina en Italie. Et là, en attendant, bah, je me prépare pour ma saison prochaine. Surtout l'objectif de février pour les championnats du monde qui auront lieu à Östersund en Suède.